Salut, c'est Fred. Dans cette vidéo, déjà, j'espère que t'as la forme, que t'as la patate, ok? Yes! C'est vachement important, ça. Bon, dans cette vidéo, comme je commence à te dire, je voudrais te parler de la méditation, ok? Parce que avoir la patate, c'est une chose, mais pour ça, encore une fois, tu te rappelles, il y a une question de communication avec soi-même, ok? Donc, ça part vraiment de là. Tout part de l'intérieur et s'exprime vers l'extérieur, d'accord? Ton environnement n'est pas responsable de toi, mais tu es responsable de tout ce que tu exprimes à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc, la méditation, ça aide à se recentrer, ok? C'est un super exercice vraiment que je te recommande vivement de faire idéalement tous les jours, au moins 10 minutes. Voilà, 10 minutes tous les matins, tu vois, c'est vraiment le top. Ou alors même le soir, pourquoi pas? Une petite bonne méditation le soir et tout pour détendre comme ça son cerveau, son corps, tu vois, se relâcher, se recentrer. Ça permet justement de passer une excellente nuit derrière, d'être dans une bonne dynamique et puis, quelque part, c'est un petit peu comme si... puis ça donne un coup de boost positif, voilà, plutôt, pour démarrer la journée le lendemain. Voilà, comme ça, t'entretiens bien ton cerveau, ton corps, ta relation corps-esprit, tu vois, comme ça. Et t'es bien, quoi. Bon, donc, le soir, 10 minutes, ou le matin, 10 minutes, c'est comme tu veux, au choix. Moi, je préfère le matin, mais chacun son truc. Donc, une méditation, c'est hyper simple. Alors bon, sur Internet, t'as beaucoup de méditations guidées. Ok, on dit méditation guidée. Je suis pas d'accord avec ce terme. Pour moi, ce n'est pas de la méditation. Peut-être que je vais me faire des ennemis, je ne sais pas. Ok, moi qui pratique l'hypnothérapie au travers de mon métier, d'accord. Eh bien, en fait, pour moi, ce qu'on appelle la méditation guidée n'est ni plus ni moins qu'une forme de séance d'hypnose. Voilà, tout simplement, puisque on va t'accompagner, comme ça, on va te parler, te raconter des choses pour t'emmener en voyage. C'est très bon, hein, c'est très positif. Attention, je suis pas en train de rejeter la chose, mais c'est bien différent en ce qui, pour ma part, en tout cas, je considère de mon expérience que c'est différent de la méditation à l'état brut. Voilà. Donc, pour moi, la méditation à l'état pur, simple, basique, c'est le silence, ok? Trouver, se réunir, en fait, avec soi-même, ok? Donc, c'est faire le silence en soi. Donc, ça passe par le silence autour de soi, la paix intérieure, le calme, pour se recentrer avec soi-même, être aligné dans l'instant présent. En fait, moi, la manière dont je pratique, c'est simplement que je me pose, je m'installe bien, confortablement. J'aime bien être en tailleur, tu sais, les jambes croisées, ok? Assis comme ça. Ce qui est important, d'avoir le dos bien droit, ok? La tête droite, d'être bien aligné physiquement, ok, ça c'est super important, ça aide justement à se décontracter et à une bonne circulation des énergies en fait dans le corps. Et je fais comme ça, ok, ou sinon tu peux aussi t'asseoir, d'accord, donc les pieds bien à plat au sol, les mains sur les cuisses par exemple, voilà, les fesses bien au fond de ton siège, d'accord, le dos contre le siège, et puis pareil, tu te détends et hop, tu restes bien droit. Chacun son truc. Je déconseille la méditation allongée parce que, en fait, s'allonger, la plupart du temps, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu peux te renseigner peut-être autour de toi, auprès des personnes que tu connais qui ont pratiqué des séances de méditation allongée, en fait, ils finissent par s'endormir, tout simplement. Donc, parce que tu te relaxes vachement, ok? Et il y a une phase de relaxation dans la méditation, mais après, il y a une vraie... c'est pour faire après une phase de transition vers un recentrage. Ok, mais ça se fait naturellement en fait, t'as pas besoin d'y réfléchir. Toi, la seule chose que t'as à faire, c'est de te poser, ok, assis, en tailleur ou sur une chaise, voilà, t'as compris, pas allongé, et tu respires, ok, tu fermes les yeux, tu te détends, voilà, moi ce que je fais, c'est que j'ai les jambes en tailleur et j'ai les mains comme une coupe, comme ça, ok, je mets ma main droite sur ma main gauche, il y en a qui font l'inverse, chacun sa façon de faire, voilà, je mets ma main, moi, mes mains comme ça, la droite sur la gauche, mes deux pouces se touchent au bout, je suis comme ça au niveau du pubis, ok? Et puis, voilà, droit, et c'est ma position dans laquelle je me sens bien. Il y en a qui mettent les mains sur les cuisses, d'autres qui vont chercher des mudras, bon, c'est encore un petit peu plus technique. Tu peux te renseigner sur ce que sont les mudras, M-U-D-R-A. Voilà, tu vas voir, ça correspond à des combinaisons, en fait, en lien avec une résonance cellulaire, enfin bon, c'est assez technique. Si tu as envie de te renseigner là-dessus, vas-y. Je vais pas faire une vidéo d'une heure sur le sujet, donc c'est pour ça que je m'étalerai pas. Mais c'est très intéressant, ok? Les mudras, quand on a un niveau de méditation peut-être plus avancé ou qu'on recherche quelque chose de particulier. En tout cas, la méditation en soi,
c'est super bon pour la santé. De toute façon, c'est heureusement, on en parle de plus en plus. Même des médecins recommandent ce genre de choses, ce qui est vachement, vachement bien parce que c'est vraiment excellent. Il y a même des écoles qui commencent à mettre ça, qui ont commencé déjà, hein, il me semble, là, ça fait 1 an ou 2 qu'il y a des écoles en France qui ont commencé à appliquer ce genre de système, tu sais, où est-ce qu'on fait une pause le matin, les enfants pendant 10 minutes, ils vont méditer dans la classe, tu vois, c'est vachement bien. Et il y en a qui arrivent à entendre à sentir et entendre leur cœur battre, tu vois, en eux. Donc c'est super, c'est très très bien, c'est vraiment très très bon pour le corps. La méditation, ça permet de se détendre, donc ça réduit le stress, du coup ça réduit les tensions. Ok, ça améliore la circulation sanguine, donc c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour tout le système cardiovasculaire, par conséquent, c'est très bon pour tout ton système lymphatique, les tensions nerveuses, pour tout, les tensions musculaires, c'est bon pour tout. Et le fait d'avoir une bonne posture comme ça et de le faire régulièrement, c'est très bon aussi pour la tonicité musculaire. Ça a l'air de rien parce que tu crois que tu bouges pas, mais en fait, de tenir comme ça, tu vas renforcer ton tonus musculaire au niveau de ton dos, okay, de ta nuque, de ton port de tête, quoi. Et ça, c'est vachement bon aussi. Ce que ça fait également, la méditation, tu vois, c'est riche de plein de vertus, hein. Tu peux te renseigner, hein, ce que je suis en train de te dire, c'est loin d'être des conneries. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ma vie et c'est ce que j'en connais depuis les années que je pratique la méditation à différentes fréquences. Okay. Il y a des moments où j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Il y a des moments où est-ce que je méditais tous les jours pendant plusieurs mois, ok? Voilà, c'est variable. Moi, je pratique la médite depuis que je suis gamin, depuis que je suis adolescent. Voilà, j'ai commencé à méditer, j'avais, 11 ans. Ouais, c'est ça, ouais, 11 ans à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près 11 ans, 10-11 ans. Voilà. Et donc, c'est super bon. Et c'est très bon également pour le renforcement du système immunitaire. Ça, c'est excellent, tu vois. Comme tu détends ton corps et tout, c'est aussi bon, ça impacte justement comme tu prends soin de toi, ok? Tu es dans une intention vraiment positive vis-à-vis de toi-même, d'accord? Eh bien, ça influe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça influe sur toute ta structure énergétique au niveau cellulaire et voilà, et ça renforce comme ça ton système immunitaire, ça booste tes anticorps, ça booste plein de choses, c'est vraiment extraordinaire. Donc, la méditation, vraiment, je recommande vivement 10 minutes par jour. Voilà, le matin, pour moi, c'est le top, mais après, tu peux faire ça le soir, si t'es pas trop à te lever plus tôt le matin, etc., parce que t'es pas encore à ce stade d'avoir mis suffisamment de sens à ta vie pour te lever plus tôt, parce que c'est un peu ça, hein, quand même, hein, tu vois. Pourquoi est-ce que je me lève pas plus tôt le matin? C'est parce que ça a pas de sens, ok? Mais il y a un moment, est-ce que ça viendra, ça prendra du sens, et là, peut-être que tu le feras. Ou pas, t'es libre, bien sûr. En tout cas, ça peut être le matin, ça peut être le soir, tu vois, 10 minutes. Si c'est le soir, fais-le avant de te coucher, ok? Tu peux soit t'asseoir dans ton lit, d'accord? Si t'es bien, avec un coussin sous les fesses, ça permet de rehausser légèrement le bassin et ça permet de faire un mouvement de bascule, en fait, qui t'aide à avoir le dos bien droit, ok? Parce que quand tu t'assois sur un niveau plat en tailleur, ok? Et ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton bassin, en fait, est plus bas par rapport à là où est-ce que se trouvent tes pieds. Enfin, il y a une déformation qui fait que du coup, ton bassin, il va rouler vers l'arrière et tu vas avoir tendance à pencher comme ça en avant et à devoir forcer pour te tenir droit. Et du coup, tu ne vas pas arriver à te décontracter et ça va être désagréable tout simplement pour toi. Du coup, si c'est désagréable, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de motivation, ça perd du sens et du coup, bah, tu ne réitéreras pas l'opération, okay, de méditer. Donc, mets toutes les chances de ton côté si ça te branche. Voilà, tu te mets bien droit. Si tu veux faire ça donc dans ton lit le soir, légèrement tailleur par exemple, mets un coussin donc sous tes fesses pour surélever légèrement les fesses. Ça va faire ce petit mouvement de pivot. Hop, tu vas te redresser naturellement et ça va être beaucoup plus facile. Ok? Tu peux même t'adosser contre le mur éventuellement ou contre le fond du lit. Ok? Si ça peut t'aider. Il y en a qui le font hein, quand le temps d'apprendre justement à renforcer comme ça cette tonicité et en même temps d'apprendre à comprendre comment fonctionne son corps et comment est-ce qu'on se sent quand on est vraiment droit, quand on fléchit en avant, etc. Tu vois, ça va te permettre, il y a une phase d'apprentissage, ok? Si tu connais pas, si t'as pas l'habitude, il y a une vraie phase d'apprentissage. Voilà, donc la méditation, c'est du super top, je te recommande vivement. Comme je te le disais, oui, moi je travaille sur le silence, ok? C'est-à-dire, parce que voilà, c'est ma façon de faire. Donc pour moi, c'est la reconnexion à soi-même. Se reconnecter à soi-même, ça signifie se reconnecter au tout. Ok? Dans ma vision des choses, dans ma vision du monde, en fait, ça se résumera en une petite phrase qui dirait un et tout, tout est un. Tu vois? C'est-à-dire que je suis unique, mais tout est unique et ensemble nous formons une unité.
OK? Une unité, par exemple, je sais pas, tu vois, il y a, chez moi, il y a ma femme et moi, OK? Nous sommes deux unités, mais ensemble, on forme un couple, OK? Le ménage, OK? Un, tu vois, on en revient à un pont. Que t'imagines un petit peu le truc. C'est plus subtil que ça, dans le fond, mais déjà, ça peut permettre d'imaginer, d'imager la chose, OK? Si, par exemple, je travaille dans une entreprise, OK? On va être plein d'unités dans l'entreprise, OK? Mais on travaille en une équipe, OK? On est un, tu vois? L'unicité, tu vois, le fait de considérer comme ça l'unité de soi et l'unité auquel on appartient d'une certaine manière. Donc après, on peut élargir la chose. Je suis français, hop, je suis parti de la France, tu vois, nous sommes français, hop, un, la France. Voilà, je sais pas, le monde, tac, l'être humain, je suis un être humain, pouf, nous sommes des êtres humains, habitants de la planète Terre, habitants de la planète Terre, là, on grossit l'unité, tu vois. On considère l'habitant de la planète Terre. Moi, pour ma part, je considère du coup le brin d'herbe, la fourmi, le cheval, mon voisin, tu vois, le vent, les nuages, l'eau, etc. Habitant de la planète Terre. Bref, tu vois ça comme tu veux, en tout cas. Donc, c'était juste pour la petite parenthèse par rapport à la notion d'unité, en fait, d'unicité. Et donc, c'est là-dessus que moi, je travaille en ce qui me concerne. Quand je fais de la méditation, c'est pour ça que je vais sur le silence, OK? Et donc, je ne cherche pas à penser à quelque chose, justement, en fait, je fais le vide. Et l'idée, c'est ça, dans la méditation, tu verras, en général, c'est ce qui ressortira de ce que tu feras comme recherche, on va dire, relâche-toi, relâche tes épaules, etc., tiens-toi droit et concentre-toi juste sur ta respiration. T'inspires, t'expires, voilà, juste c'est ça, t'es juste attentif à ta respiration, c'est aussi basique que ça. Et en fait, plus tu vas le faire, et plus tu vas arriver à te recentrer. Naturellement, en fait, tu te ressens. T'as pas besoin de chercher à faire quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand tu lâches prise, OK, eh bien, tu t'alignes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu vas lâcher prise naturellement. La méditation, c'est ça. C'est un travail de concentration sur l'instant présent où est-ce qu'au bout d'un moment, tu oublies même la concentration d'elle-même disparaît et tu deviens simplement toi, là, dans le moment présent, dans tout ce qui est présent. Et quand tu arrives à ce point-là, putain, ça fait un bien incroyable, en fait. Voilà, ça te rebooste. C'est vraiment extra. 10 minutes de méditation comme ça, avec la pratique, bien sûr. 10 minutes de méditation comme ça tous les jours, putain, ça fait un bien de dingue. Et voilà, c'est bon pour ton corps. Ça, c'est bon pour tout ce que tu es. Et tout ce que tu rayonnes par conséquent. Voilà. Donc, recentré sur toi, juste le vide, le silence. La respiration, voilà, j'inspire, j'expire, il n'y a même pas besoin de chercher à contrôler cette respiration, c'est juste être là et juste être attentif à ce qui se passe, juste observateur. À un moment, tu deviens observateur finalement de cet état, de cette présence, voilà. Et puis après, tu vas le comprendre par toi-même en fait, il y a plein de choses qui peuvent émerger de tout ça, ok? Et ça, c'est propre à chacun en fait, puisque en faisant de la méditation comme ça, ça te recentre aussi, tu vas aller, en quelque sorte, ça fait partie de ton mode d'emploi à toi, ok, ta propre notice technique, et du coup, tu vas découvrir des choses en toi-même qui vont venir comme ça, s'exprimer, peut-être, ou pas, tu vois, en tout cas, ça va modifier des choses chez toi, et donc ça modifiera des choses par conséquent dans ta vie, et ça, c'est que du positif, c'est que du bonheur pour toi, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas te mettre peut-être à méditer si c'est pas encore le cas, ou alors si tu en fais déjà, ben ça se trouve, ça va encore prendre plus de sens et du coup, tu vas y aller encore plus, ok? Je te le souhaite, en tout cas, c'est vraiment super la méditation, 10 minutes par jour, 10 minutes. C'est rien, 10 minutes pour prendre soin de soi et peut-être manger mieux derrière ou prendre moins de médicaments ou être en meilleure santé de toute façon, tu vois, c'est 10 minutes qui peuvent améliorer ta vie, t'apporter une qualité de vie tellement supérieure, en fait, c'est énorme, voilà. Pardon. Donc, c'est le mec qui dit ça, il est tout juste derrière. Non, c'est juste que je parle, j'ai soif et il faut que je boive de l'eau. Donc, je te laisse, je te souhaite le meilleur parce que franchement, t'en vaut la peine et ça, je crois que ça va rentrer dans ta tête, hein. Ça va rentrer dans ta tête, ok? T'es le meilleur, tu déchires. Voilà, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. T'abonner, c'est pas fait. Et puis, bah, on se retrouve pour la prochaine avec grand plaisir. Prends soin de toi. Ciao, ciao.